Je suis Franck Laugier, 55 ans, papa de 3 enfants, en poste à Megève depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Je suis responsable du centre technique municipal. Pendant de nombreuses années, on venait en vacances dans un village aux environs. Et pour nous, Megève, c'était, on venait, à chaque fois qu'on était en vacances, on venait se balader à Megève. Ce qui saute aux yeux, c'est que c'était un village dans lequel il semble très agréable de vivre. J'aime bien avoir cette proximité avec mes agents et avec mes responsables et c'est très très important pour moi de pas arriver au travail, de rentrer dans mon bureau et de peut-être croiser plus tard les personnes. Et la façon dont fonctionne la commune, c'est qu'on a les moyens pour travailler, mais on a forcément l'exigence à côté. L'autre chose qui est assez remarquable ici, c'est que les projets, les métiers qui sont concernés par ce qu'on nous demande, elle est assez énorme. Des électriciens, des menuisiers, des garages, j'ai des mécaniciens, j'ai des personnes qui sont capables de designer des plans de fleurissement, des professionnels de la voirie, j'ai des professionnels de la montagne. La raison plus personnelle pour laquelle je pense que je ne partirai pas, c'est que je pense qu'il serait compliqué pour moi de retrouver professionnellement un challenge aussi intéressant dans les conditions en plus dans lesquelles j'évolue. Je suis pas sûr d'avoir les mêmes conditions de travail humaines et on va dire professionnelles dans le sens moyen. Et je suis pas sûr d'avoir un poste qui soit aussi intéressant. Il n'y a jamais de routine ici. Pour arriver à tenir le niveau d'exigence nécessaire dans l'exécution de nos tâches professionnelles, pour moi, c'est obligatoire de pouvoir, on va dire, relâcher un petit peu la vapeur, notamment entre midi et deux, pour aller faire du sport sur des infrastructures immédiatement accessibles, ce qui permet, on va dire, de prendre un break, recharger les accus et relancer la machine l'après-midi. Ça, je ne l'avais pas où j'étais avant.